Je suis Trunks et je viens du futur. Je sais que Sofiane le Geek réagira à tous vos commentaires dans cette vidéo. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo invocation sur le jeu Dragon Ball Legends. Bon, comme vous le savez, hier on a fait le duel invocation contre Madame Ludivine. Ou on peut dire Luxdivine quand même, parce qu'elle a eu un nouveau personnage. Casserole, un peu comme moi, tu vois. La casserole en plus, ça la connaît, donc ça c'était normal. Bon, les amis, maintenant aujourd'hui, il faut que j'essaie de faire tomber le tag. Alors je vais faire des invocations tout seul aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il y aura un live. Alors je sais pas s'il y aura un live en ce dimanche soir, parce que je suis au salon de Dragon Culture Manga, comme vous le savez, je suis carrément explosé, mais je vous tourne quand même cette vidéo pour pas vous laisser sans contenu, et puis j'avoue également parce que j'ai envie d'espérer d'obtenir le tag dans cette vidéo, on verra bien. En tout cas, juste une chose les amis, franchement, je vais faire une conférence TikTok aujourd'hui, conférence sur scène Dragon Ball. T'as envie de voir la conférence? C'est à 15h15 en live sur mon compte TikTok. Donc je vais te mettre mon lien TikTok dans la description de cette vidéo et également mon compte. On est plus de 90 000. N'hésite pas à venir. Comme ça, tu recevras la notification et puis tu verras la conférence sur scène. Je serai accompagné du frérot Talrino. Et en plus, j'ai un petit TikTok, les amis. Vous connaissez Full Metal Alchemist? Il est en préparation pour demain, 13h30. Écoutez-moi ça. Je suis avec un comédien de doublage légendaire, Full Metal Alchemist, vous connaissez? Edouard Delric, vous connaissez? Eh bien, le voici. Edouard Delric, le Full Metal Alchemist. Les amis, pour tous ceux qui kiffent Full Metal Alchemist, eh bien, je lui ai fait une petite interview que vous retrouverez demain sur mon compte TikTok avec des choses intéressantes concernant son métier. Et c'est un mec comme ça. Voilà, on passe le week-end ensemble. Je n'en dirai pas plus, mais il y a peut-être également Eren Yeager qui sera là aussi. J'ai rien dit. Bref, va le follow à mon compte TikTok et max de pouces bleus, mon Glenfidama. Les amis, après cette petite intro, eh bien, il est temps d'aller chercher ce fameux Goku Tag Freezer LF. Et puis, bah, vous savez quoi? Eh bien, on est parti. 3, 2, 1, yeah! Allez, allez, donne-moi un badak, un truc comme ça. Bon, après, quand on dit badak, on dit pas pour casserole. C'est bon, casserole, on l'a, ça y est. Oh! Bye bye. Dis-moi Badak aussi en plus? Pourquoi pas? Non, y a pas Badak. C'est pas grave. Broly? Yoré! Il a pas compris Broly. En fait, il a pas bien compris ce qu'on lui demande Broly. Broly, on t'a demandé de venir. On t'a pas demandé de te cacher, on t'a demandé de venir. Bon, sait-on jamais, il y a quand même un sparking garanti. Bido, ok? Saint-Chenron, il n'a pas compris que là, on est dans le thème DBS et pas DBGT. C'est DBS, tournoi du pouvoir. Oh, oui. Oh, LF. Bon, bah, on va prendre, les amis. Bah, je prends quand même hein, un LF comme ça qui pop sur un fake out, frère. Bien sûr qu'on va prendre. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. En vrai, c'est bien, c'est bien. Pour 500 cristaux, frère, j'ai tapé un LF, mon migaté qui passe 8 étoiles, c'est pas mal. D'ailleurs, j'aimerais bien rejouer le Mingaté là. J'avoue, j'aimerais bien me refaire kiffer avec le Mingaté. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui jouent le Mingaté en ce moment en PVP? Si oui, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et faites-moi vos retours dans l'espace commentaire. J'ai hâte de voir également. Je pense que Mingaté, il y a moyen de faire des choses intéressantes quand même en PVP. Allez, 3, 2, 1. Yeah! C'est parti les frérots. Allez là, vas-y, s'il te plaît. Goku Tag Freezer LF, s'il te plaît. S'il te plaît, frère. Vas-y. Toshi. Wesh. Y a pas de capsule. SSJ. Pas de capsule, rien. Nada. Des fois, ça peut être bon, hein, quand y a pas de capsule. Non, non, mais attends. Des fois, ça peut être bon. Ok. Fake out. Fake out. Il va y avoir du fake out. Je le sais, il va y avoir du fake out. Let's go. Let's go. Ok, c'est 14. Let's go. Fais caout, on t'a dit. C'est 20. Il va y avoir du fake out. Il va y avoir du fake out. Il va y avoir du fake out. Ah, il n'y a pas de fake out. Il n'y a pas... Calmons-nous. On n'a pas fini. Il était où le fake out là? Bon bref, palier numéro 4, EX ou plus garanti. On veut le plus garanti les amis. 3, 2, 1, yeah! Allez, tu me le sors, d'accord? C'est maintenant.
c'est maintenant. On cherche pas midi à 14h. Let's go. Sors-moi ça maintenant, là. Les montagnes, l'espace, ce que tu veux, mais vas-y. Ouais, mais ça veut rien dire, Jaco, frère, dans son vaisseau, là. Frère, il pilote ça comme s'il avait une Formule 1. Ça veut rien dire du tout. Jaco, faut pas s'emballer, Glisser arc-en-ciel. Je sais même pas c'est quoi. Tout ce que je veux, c'est le tag, frère. Wesh, en plus, il bug. Pas de Broly. Donne-moi juste le tag, frère. Comme ça, c'est plié. Ouais, vas-y, bon, il va me donner que du casserole. Ou là, il va me donner la folle. Ou là, il va me donner je sais pas quoi. Lef. Putain, j'ai pas sauté de joie parce que quand j'ai vu LF, j'ai vu il y avait le passé. Putain, donc tu sautes pas de joie. Donc ok, bon, ok. Après, ah oui, il n'y a pas un truc avec le glisser arc-en-ciel, c'est LF garanti. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Bon, en vrai de vrai, je suis en train de me plaindre, je suis en train de faire le cinéma, lalalala. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai quand même eu 2 LF dans ce step. Donc bon, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ok, let's go, on continue. Peut-être qu'il y en a encore un. Ok. Ton tempo. Bon, Jacques. Fais caout. Tu vois qu'il peut encore y en avoir un. Après, quand on dit en avoir un, c'est pas... Non, c'est pas ça qu'on demande. Chill de... C'est cuisine, tu vois. Bon, quand je dis cuisine, je veux pas casserole. Hein. Non, parce que je dis cuisine et il va me mettre casserole, je vais voir flou. Ok, let's go. Ok. Ouais, chill encore, frère. On t'a eu en IX, sans Sparky, il manquait plus qu'on te chope en héros. Oh, par contre, attends, il passe 14 étoiles. Oh! Ça, c'est pas mal. En vrai de vrai, le Vegeta Blue Evolution 14 étoiles, c'est pas dégueu, les frérots. Franchement, c'est pas dégueu. Ok, allez. On est parti, s'il vous plaît. Max de pouces bleus en mode gameplay d'avant. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas fait. En activant la cloche pour recevoir les notifications. Et je te le redis, n'hésite pas à aller te follow à mon compte TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, 15h15, conférence Dragon Ball sur scène au salon Culture Manga à Drôle. Yeah! Allez, let's go! Fais plaisir. Fais-moi plaisir un peu le jeu. Let's go! Ok, c'est long, c'est bon. 5 capsules. Bon. Pas de Jaco cette fois-ci. Il prend le dessus. Pas de Badak non plus. Pas de Trunks, pas de Badak. Glissé rouge. Pas de CJ. Pas de Broly. Hyper. Mais wesh, c'est quoi cette animation là? Oh! Ah, mais non, mais je crois que ça veut rien dire, Vegeta Blue. Voilà, j'ai vu Vegeta Blue, tu sais, tu vois flou. Mais non, ça veut rien dire, je crois, Vegeta Blue. Vegeta Blue, c'est juste Sparkling, je crois. Ouais, voilà, tu vois, c'est pour... Goku Kaioken. C'est ça, Vegeta Blue, Goku Kaioken. C'est ça, hein? Avant, quand on voyait Vegeta Blue, c'était la nouvelle unité. Et maintenant, c'est pour Goku Kaioken. Casserole. C'est comme ça qu'il disait Toshi. Casserole. Mais pourquoi? Pourquoi toi? Bon, c'est bien, ça me fait un doublon dessus. Voilà, frère. Pourquoi c'est lui? Tu peux pas donner le tag? Pourquoi tu peux... Voilà, frère, c'est trop. Casserole. Oh là, on a chopé la casserole, frère. J'ai envie de le... Ouais, 6 étoiles. Après, attends, tu sais que je le troll, mais ça se trouve, attends, lors d'un combat augmente 30% la défense d'énergie et attaque, ok, représentant l'univers attribut rouge. Bon, après, il faudra lire sa carte, les passifs et tout. Peut-être qu'en vrai, c'est peut-être une bonne carte. D'ailleurs, dites-le moi dans l'espace commentaire. Est-ce qu'il est bon ou pas, casserole, là? Casserole, poil, pois chiche et compagnie, là. Voilà, la cuisine, on va l'appeler cuisine, lui. Casserole, cuisine, là. Est-ce qu'il est bon ou pas, les amis? Est-ce qu'il y en a, ils l'ont testé en PVP? Est-ce que c'est fort ou pas? Il est de quel type en plus? Rouge. Ok, bon. On verra bien. Allez, 3, 2, 1. Yeah! Allez, s'il te plaît, le jeu, fais-moi plaisir. Donne-moi une animation de ouf. Mets-moi dans les montagnes. Mets-moi du Badak. S'il te plaît, fais kiffer un peu. Fais kiffer. On a encore chopé casserole, tout ça, ça y est. T'as au paille. Pas de Trunks. Badak, s'il te plaît, frère. Badak.
Ah vas-y frère, Bada qui vient pas. Hein. Bada qui veut pas. Broly, tu viens ou pas? Broly! Attends, je vois SG Blue là, je vois flou maintenant, je vois flou. C'est quoi ces nouvelles animations là? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça quand il se transforme en SG Blue maintenant? Voilà frère, non, je vois flou maintenant, je connais pas les nouvelles animations. Ok, c'est quoi? C'est pour Mecha Freezer le SG Blue. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, c'est pas. C'est pas vraiment ce que je demande moi. Ok. Tiabé. Dis-moi, il y en a un deuxième. Oh Majoub. Je l'avais pas celui-là. Majoub X. Ok, je prends. Il est sorti quand celui-là? Putain, Franchement, voilà. Oh, deuxième. Dabla. Bah, fais ton malin. Dabla. Ok. Ok. Fais K.O.U.T. S'il te plaît, non, passé, pourquoi il y a le passé? Mais regarde ce qu'il me donne! Zamasu, frère! Oh là là! Pff, ok, bon. Très bien. Bon, bah, les amis, on a refait tomber encore casserole. Bon, par contre, on a quand même fait tomber 2 LF également à cette vidéo. En vrai, de vrai, j'ai quand même mis 3200 cristaux pour refaire le tour d'un step. Mais j'ai eu 2 LF, j'ai eu encore un doublon sans casserole, c'est pas mal. Mais ce que je veux, c'est beaucoup de tags Freezer LF. Dites-moi vous aussi si vous avez chopé le tag. Moi, pour l'instant, il veut pas. Bon, les amis, max de pouces bleus comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Et je vous redis encore pour une troisième fois, allez me follow sur mon compte TikTok. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamehameha.